suis dans la délégation française, mon titre de scientifique. Je ne suis pas négociateur. Mm-hmm. D'une COP normale, avec ses difficultés, ses moments difficiles. Je me souviens que la semaine dernière, à Europe 1, on a essayé de me faire dire que la COP n'allait pas du tout. Je n'ai pas dit non, parce que ça allait normalement. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, la première semaine était plutôt remarquable, en ce sens que les négociateurs ont fourni un texte en temps et en heure, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce n'était pas le cas à Copenhague, je vous assure. Bon, il y a quand même des choses positives dans le projet solaire de l'Inde. Donc finalement, les pays, ce n'est pas la peine que les pays s'engagent sur des choses qu'ils ne peuvent pas tenir. Il faut aussi que, disons, les développements économiques, le développement des renouvelables soient quelque chose de concret. C'est le cas en Chine. Hein. Les émissions en Chine ont stagné. Donc ça ne veut rien dire un pays qui s'engagerait alors qu'économiquement, techniquement, il n'y a pas de réel engagement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit compatible. Ça a été le cas de la Chine. Il faut espérer que ça soit le cas de l'Inde avec un véritable programme solaire qui prenne le pas et qui permette quand même, de voir les émissions. Elles ont monté de 7 à 8%, je crois, entre 2014 et 2013, je ne me trompe pas. Donc c'est énorme. Et l'Inde va rapidement rattraper l'Union européenne, puis les États-Unis à échelle de 4-5 ans. Donc ça, il faut vraiment... Mais la seule façon, c'est qu'effectivement, ils trouvent... Il y a un véritable développement du renouvelable en Inde. Il y a aussi, je crois, un peu de nucléaire, mais surtout du renouvelable, du solaire. Il y a un gros programme solaire et il faut espérer que ça se développe normalement. Et ça, c'est quoi? Eh bien, c'est aussi des diminutions du coût. Hein. Donc, c'est aussi tributaire d'innovation, en renouvelable, en particulier dans tout ce qui concerne le stockage de l'énergie, des coûts, des matériaux qui sont utilisés, parce que certains matériaux sont assez limités. Donc voilà, donc il faut aussi beaucoup de recherche, d'innovation dans tous les pays. Et ce que j'aime bien dire, c'est qu'entre Copenhague et Paris, ce qui a changé, c'est qu'à Copenhague, on ne voyait pas les solutions, on les imaginait, mais à peine. À Paris, on commence à voir les solutions. Ça, c'est très clair. Et si en 2020, les solutions sont vraiment là, bien je pense que les pays comme l'Inde deviendront plus dynamiques, parce qu'économiquement, ils vont perdre, c'est clair. Donc économiquement, ce sont les pays qui vont s'investir dans la lutte contre le réchauffement climatique qui vont gagner, économiquement et je dirais sur le point de vue géopolitique également.